Tu l'ouvres par le milieu, tu enlèves le noyau, tu remplaces. Alors moi, j'aimerais toujours, c'est le temps des cerises. Oui, mais il est trop court, le temps des cerises. Mais au moment où on mange plein, et puis on garde les noyaux dans la bouche, puis après on fait un concours de lancer le noyau. C'est l'histoire d'une pomme. La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair éloquence et le noyau le bon sens. Ouh, mais cet arbre existe. Il se nomme... Si la tortue prononce son nom une fois, l'arbre jaillira de terre. Mais au milieu de la grande plaine. Et j'espère qu'il a bien compris ce que lui a dit son père. Ne pas toucher. Interdit. Fruit défendu, parce qu'on connaît l'histoire. Il y a un problème avec la Genèse. Et pourtant, c'est dans le thème, hein. Ah, moi, je veux dire, une pomme, c'est vrai, c'est pratique. C'est calibré, ça se transporte facilement, ça goûte pas. Mais bon, question saveur, c'est quand même pas facile à vendre. Hein. Et disons l'histoire, tu la connais dans la version de Chouraki ? Non, mais Chouraki, c'est complètement dépassé. Moi, je suis sur la version de Madoff. Tu vas voir, c'est beaucoup plus moderne. Et avec certains piments, on peut toucher le firmament. Pareil qu'avec un ananas, on peut gagner le nirvana. Alors on ne fera jamais croire à cette invraisemblable histoire qu'avec une toute petite golden, on se serait fait jeter de l'Éden. Olivier est déjà jardinier d'agrément. Il va chez la Germaine. Qui lui donne une graine. Une graine à planter. Une graine à arroser. Une graine à pousser. La graine à germer. La germer. C'est un arbre fruitier. Et le fruit a mûri. Olivier dit le fruit. Le sentit le tata. Oui, le sentit le tata. Le cueillit le pelin. Olivier dit le fruit. Le sentit le tata. Le cueillit le pelin. Le coupit le goûta. Le croquit le croqua. Le mâchit le macha. Olivier dit le fruit. Le sentit, le tata, le cueillit, le pela, le coupit, le goûta, le croquit, le croqua, le machi, le macha. Salut, ça n'est pas la valise, la voilà. Le noyau recracha. Et au bout de 15 ans, il arrive près d'une petite maison. Oh, pas bien riche la maison. Et à l'intérieur, une femme. Cette grenade. Et à regarder la grenade. Certains adorent le melon. Tant mieux. Moi, le melon m'ennuie. Et à son compère, dans son champ, il n'y avait pas beaucoup de terre. Il y avait 30 cm de terre et tout, c'était le rocher. Pour arriver à planter ses arbustes, il était obligé de faire des trous dans le rocher. Et il avait une idée. Il prenait un bâton de dynamite, il faisait un tout petit trou dans le rocher, il mettait son bâton de dynamite avec une mèche. Mon père était fier de son verger. Moi, j'étais fier de mon père. Salade fruit. Salade de fruits, joli, joli. Pomme, banane, melon, mélie. Salade de fruits, joli, joli. Sinon, c'est la pomme, melon, et de leur longue chevelure, une pluie de graines tombait. Et on raconte que c'est ainsi qu'elles fécondèrent la terre libre. Salade de fruits, joli, joli. Salade de fruits, joli, joli. Lampes de pommes, mais en face. Ami! Salut! Oui, c'est
Dans ce temps-là, la salade de fruits n'était pas terminée. On l'enterre, elle donne la vie. Attendez-vous. On l'enterre, elle donne la vie. Comment? La graine, bien entendu. Et d'une. Deuxième devinette, attention à trois parties. L'eau debout, l'eau suspendue, l'eau accouchée. Aujourd'hui, de nouvelles émeutes ont eu lieu dans la ville natale du Caquignon. Le Free Star, issu de l'union du Caqui et du Brugnon, avait en effet suscité à sa naissance bien des polémiques et divergences. Aujourd'hui, sur la Grand Place, on en est encore venu aux mains. Mais toutes les flammes coulaient sauf une. Et ça a fait une pêche. Arancio, si può mangiare di tante maniere. Magari insalata. Però. Ora, vi dugno una ricetta d'insalata d'arancio. Traduzione d'une recette sicilienne, salade d'orange. Allora, insalata d'arancio si può mangiare con zucchero, certo, sì. Ma magari con sale. Però, per un'insalata buonissima, ha da pigliare un oro. Comptez une orange par personne. Gâteau, figue fraîche, abricot sec et roquefort. À bonne figue, belle tarte. Il se nommait Basile et son cœur était aussi sec que sa panse était grosse. Une fleur, un fruit. Une fleur, un fruit. Un fruit, un sou. Une fleur, un fruit, un fruit, un sou. Je me souviens, quand j'étais petit, mon père travaillait tellement que le seul jour qu'il avait à me consacrer, c'était le dimanche. Et encore à partir de 13h. Mais quand arrivait l'automne, il disparaissait dès le début de l'après-midi. Et lorsqu'il revenait, il avait les bras chargés de noix. Et tout le restant de la journée, il mangeait ses noix avec sa gelée de coin. On n'avait pas le droit de le déranger. Depuis, je ne mange plus de noix. Je me souviens. Ce matin-là, j'ai traversé encore une fois la mer pour me rendre à Cuba. 8 heures de vol pour Ho Chi Minh Ville. On devait aller à la partie orientale de l'île, dans les montagnes que l'on appelle les sons de silence. J'allais chercher Madame Lucie. J'ai jeté ma peau de banane et j'ai vu un enfant s'approcher pour ramasser la peau et la manger. Et puis le train est parti. Moi, j'ai retrouvé une photo de mon père en noir et blanc. Vous la connaissez, cette photo? Mon père en train de peler une pêche. Il n'y avait plus de passé. On était là. Il n'était plus mort. Et on partageait une pêche ensemble. La vie sur Terre sans la mort, c'était pas vivable. Ils l'ont trouvé, la bonne idée. Il faut couper le mauvais côté. Y'a qu'à couper le mauvais côté. Aussitôt chanté, aussitôt coupé. Et cette nuit-là, rassuré, soulagé, il dort bien. Le lendemain matin, l'arbre est mort. Dans le vent, il danse une pomme pour la décrocher. L'arbre a roulé dans les pommes qui étaient décrochées. Et dans mon panier plein de pommes, l'arbre j'ai accroché. Un joli rouge pomme qui s'est décroché. Dans le vent, il pousse une pomme pour la décrocher. La pomme a roulé dans les pommes qui étaient décrochées. Et dans mon panier plein de pommes, là j'ai accroché un joli ruban rouge pomme qui s'est décroché.